Aujourd'hui, je vous propose une recette de wok au bœuf et un mélange de roquette et mâche. Donc pour ça, il vous faut 350 g de viande. Il vous faut un mélange mâche-roquette. Il vous faut du parmesan. Il vous faut pour faire une marinade une cuillère à soupe de vinaigre de vin et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, des graines de pavot, du sel et du poivre. On va commencer par débiter en petites tranches le bœuf. Donc là, on prend notre pièce de bœuf et on va la débiter en toute petite lanière. Donc moi j'ai pris du gîte de bœuf dans la noix. Quand vous avez découpé votre viande en lamelles, vous allez la mettre dans un récipient. Et dessus, nous allons verser l'huile. Le vinaigre. On va verser la moitié du pavot. Donc normalement on en met 20 grammes, donc là on va essayer d'en mettre une dizaine de grammes. Donc la moitié. On sale le poivre. C'est votre marinade. Donc là, vous allez bien tourner, mettre un film plastique et la mettre pendant une heure au repos au frigo. Vous avez sorti votre viande du frigo, elle a mariné pendant une heure et vous allez la mettre pendant 30 secondes à cuire dans une poêle bien bien chaude. Ça fait 30 secondes que ça cuit, on va y ajouter le mélange de salade pendant 30 secondes encore et ça sera bon à dresser. À savoir les copeaux de parmesan et le restant de graines de pavot sont à mettre pour la décoration. Mon assiette est dressée. C'est bon pour manger. Bon appétit.